bois de Roanne, tout près là, le long de la boucle bleue. Si vous allez le soir, vous soulevez les souches, vous trouvez des belles salamandres, des jaunes, magnifiques, tout en couleur. Non, mais une journée comme ça, c'est trop en résonance avec justement la journée prise de terre où on a fait la balade comptée de nuit dans la forêt de Roanne. Et là, aujourd'hui, faire les randonnées avec tout ce monde, avec les militants qu'on préparait, c'est assez exceptionnel d'avoir des gens qui sont des randonneurs et on n'est pas là dans... On est dans l'usage de la ZAD et un des usages qu'on veut voir venir demain et pour toujours. L'abandon, c'est maintenant, car sur les terres de Notre-Dame, l'abandon, c'est maintenant. Il n'y aura jamais de macadam, l'abandon, c'est maintenant. Car sur les terres de Notre-Dame, l'abandon, c'est maintenant. Il n'y aura jamais de macadam, car sur les terres de Notre-Dame, il n'y aura jamais de macadam. Car sur les terres de Notre-Dame, il n'y aura jamais de macadam. Car sur les terres de Notre-Dame, il n'y aura jamais de macadam. Car sur les terres de Notre-Dame, ces élus qu'entendent rien, ces monarques droits dans leur botte, ces élus qu'entendent rien, nous prennent vraiment pour des chiens. Ces élus qu'entendent rien, ces monarques droits dans leur botte, ces élus qu'entendent rien, nous prennent vraiment pour des chiens. Le discours du rapporteur qu'ils ont traité tête de linotte, le discours du rapporteur nous avait touché le cœur et l'abandon, c'est maintenant. Car sur les terres de Notre-Dame, l'abandon, c'est maintenant. Mais moi, je viens de faire une super balade sur la ZAD, dans des chemins magnifiques, des allées bordées d'arbres, avec un feuillage varié. Il y a toutes sortes d'arbres. Et je ne peux pas imaginer qu'on puisse détruire cette nature. Que les gens qui disent qu'il faut un aéroport, ce n'est pas possible de détruire et de bétonner cette zone extraordinaire, unique en dans notre département, la Loire-Atlantique. Donc venez voir la ZAD et venez voir ce bocage qui est magnifique. Vous ne pourrez pas bétonner ce territoire, c'est impossible.